bienvenue à l'église de Portail. Est-ce que je peux entendre un alléluia? La semaine dernière, c'était le lancement de notre mission, de notre vision. Notre mission, qu'est-ce qu'on fait? C'est de faire des disciples en faisant découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Et notre vision, donc notre but, nous prions, nous œuvrons pour 10 000 disciples et 10 sites de l'église de Portail. Maintenant, parlant de site, on accueille notre église de Terrebonne qui se joint à nous. Et comment est-ce qu'on va le faire? Donc, il y a un système, c'est-à-dire notre plan de formation de disciples. C'est simple, on va développer des disciples par l'acrostiche « disciples ». Donc, quand on étudie la Bible, quand on regarde l'enseignement de Jésus, un disciple de Jésus, un chrétien se développe en faisant régulièrement 8 choses. Et ces 8 choses sont, un disciple de Jésus décide premièrement de suivre Jésus. Si vous êtes toujours là, dites « Amen ». Deuxièmement, il immerge. Littéralement, il se fait baptiser au nom de Jésus. Troisièmement, le disciple de Jésus sert les gens autour de lui, la communauté, le monde, son église. Il connecte avec d'autres croyants. Il invite ses parents et amis non-croyants à Jésus. Il prie, il lit, il s'engage envers son église locale. Êtes-vous d'accord avec moi que si on progresse dans ces 8 éléments, on va vivre un réveil dans nos vies, dans notre église? Donc, cet automne, nous avons une série de 8 messages sur ces 8 éléments. Ça commence ce matin et ça va me permettre justement de présenter des projets, des initiatives qu'on veut lancer à l'Église. Vous savez ce qu'on veut cette année? On veut consolider nos forces au portail, mais on veut améliorer nos faiblesses. Donc, on a regardé des éléments qu'on juge qui sont des faiblesses chez nous. On veut les améliorer afin d'être une meilleure Église et de faire de toi un meilleur disciple de Jésus. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Donc, ce matin, on commence, mais tout d'abord, juste vous dire merci la semaine dernière pour le lancement de notre vision. Il y avait 1500 personnes au portail. Donc, merci d'avoir été là, oui. Et également, vendredi, il y a quelques jours, c'était le lancement de notre ministère jeunesse. Évidemment, notre ministère d'ado roule depuis toujours. C'est quelque chose qu'on voulait améliorer dans les dernières années. C'est quelque chose qu'on a fait avec un nouveau leadership sous le pastorat de Pasteur Ralph et toute son équipe. Et vendredi, c'était le lancement du ministère du volet jeune adulte. Et ça a été vraiment un moment historique. Est-ce que vous savez, il y avait combien de jeunes vendredi à l'église? 250! Oui, on a des images. Là, tu devrais vraiment être excité. Si tu n'es pas excité par une église où il y a 250 jeunes pour une réunion pour élever le nom de Jésus, tu as un problème. Yes! Et ce matin, donc, on commence. Je veux enseigner vraiment ce que Jésus a dit sur la décision. À chaque personne qui va prendre la décision de suivre Jésus ce matin, on a un petit cadeau. En fait, c'est comme une trousse. Quand tu veux ouvrir ta piscine, tu as une trousse de départ d'ouverture. Donc, on a une trousse de départ, une trousse d'ouverture à la vie avec Jésus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai un kit déjà défait, un petit crayon, très beau crayon portail. On a un petit fascicule, connaître Dieu personnellement. Donc, c'est ce que je t'enseigne, mais résumé. Donc, ça va t'apprendre vraiment à développer une relation avec Jésus. On veut également vous remettre une pochette de bienvenue avec nos services, présentation de l'Église, ce en quoi on croit. On est là pour te servir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Donc, plusieurs choses là-dedans. Également un carton, si tu as des questions sur l'Église, sur la foi, tu aimerais qu'on y réponde, puis remplir ce carton, ça va nous faire plaisir. C'est libre et volontaire. On veut te remettre un Nouveau Testament parce qu'on pense qu'un disciple doit connaître la bonne nouvelle de Jésus. Et on a une sœur de l'Église qui s'appelle Shelley qui a écrit un livre il y a quelque temps. C'est un commentaire dévotionnel pour apprendre à quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible à lire la Bible, à commencer. Donc, c'est un commentaire sur l'Évangile de Matthieu. Ce matin, on te le donne gratuitement également. Donc, à toutes les personnes ce matin qui veulent suivre Jésus, vous pourrez aller à la fin de la réunion. À Laval, est-ce que vous avez remarqué notre nouveau kiosque? Il est beau, hein? Beau kiosque. À Terrebonne également, vous avez un kiosque en sortant de la salle de cinéma parce que notre église de Terrebonne se réunit au cinéma Gouzeau. Vous allez voir, il y a un kiosque et également des pochettes pour vous ce matin. Donc, sans plus tarder, est-ce que je peux entendre encore? Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! OK, premier point. Le disciple de Jésus décide de suivre Jésus. C'est une Bible, ouvre avec moi, Évangile de Luc, le 9e chapitre. Comme toujours, vous pouvez suivre sur les écrans. Et pendant que vous tournez, juste vous dire, cette semaine, j'ai été un peu bouleversé. J'ai mis la main, en fait, je l'avais dans ma bibliothèque depuis longtemps, mais je ne l'avais pas lu, sur ce qui est considéré comme le meilleur livre sur la vie de disciples. Ce livre a été écrit par Dietrich Bonhoeffer.
Un homme qui est mort pour sa foi dans les camps de concentration. Et cet homme-là commence son livre avec une phrase « assassine ». C'est le cas de le dire, la première phrase de son livre qui s'appelle « Le coût de la vie du disciple », c'est la suivante. La grâce cheap ou la grâce à bon marché, la grâce à rabais, la grâce cheap, cheap grace, est l'ennemi mortel de l'Église. Wow! Moi, j'aime la grâce. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la grâce ici? Mais c'est possible de prêcher une grâce cheap. C'est possible de vivre une grâce cheap. Ça veut dire quoi? OK. Au travers des années avec mon épouse, j'ai pas eu l'occasion d'y acheter. En fait, c'est pas que j'ai pas eu l'occasion, c'est que j'avais pas le budget d'y acheter beaucoup de bijoux. Donc, il y a quelques bijoux significatifs que je lui ai achetés dans notre cheminement ensemble. Et à Noël, j'ai décidé de vraiment ouvrir la machine et je lui ai acheté un bracelet Pandora. Oh, excusez-moi, pardon. En effet, je suis content que vous l'avez remarqué. Ça paraît bien. Tu fais une illustration puis tu dis à tout le monde comment que tu es romantique. Mais ça, c'est autre chose. Puis, comment ça fonctionne? Le principe du bracelet Pandora, c'est que tu as le bracelet qui vaut quand même assez cher, 200-300 $, et tu rajoutes des billes. Puis les billes sont 50, 60, 100 $. Donc, l'idée, c'est que tu as la base, mais tu dois le développer au travers des années. Donc, à la fête des mères, anniversaire de mariage, ton anniversaire, tu rajoutes des billes. Donc, ça fait vraiment un superbe bracelet. Je lui achète le bracelet. J'ai commencé avec une bille, tranquillement. OK, on a la vie, là, on ne va pas se presser. Mais le but, c'est pas d'arrêter là. La madame est contente parce qu'elle sait que c'est le premier cadeau de plusieurs autres. On s'en va à Cuba. On se promène sur le bord de la plage. Vous savez, il y a le petit marché. Ils vendent toutes sortes de petits cossins. Et là, il y a une table de bracelets Pandora. Pandora. Puis là, je dis au monsieur, je dis, est-ce que c'est des vrais? Il dit, oui, oui. Je dis, les bracelets sont combien? Il dit, les bracelets 10 $ et chaque bille 1 $. Moi, je viens d'acheter une bille à 100 $. Et là, cette bille-là, tu me disais, elle est 1 $. Et là, moi, je regarde ma femme. Là, ma femme, elle regarde les billes. Et là, j'attends pour voir son attitude. Parce que là, je me dis, est-ce qu'elle va acheter des billes cheap pour mettre sur un bracelet qui coûte cher? Parce qu'on s'entend que tu peux avoir un bracelet de 300 $, mais si tu mets des billes à 1 $ sur ton bracelet à 300 $, je m'excuse, c'est un bracelet cheap que tu as dans le bras. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que la cheapitude va diminuer la valeur de ton bracelet. Maintenant, beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Jésus, la grâce, elle est gratuite, mais la grâce a tout coûté à Jésus. Je le répète, la grâce, elle est gratuite. Dieu veut te pardonner, il veut mettre son esprit, il veut marcher avec toi, il veut te bénir, il veut... tu ne mérites pas. Gratuit. La grâce, elle est gratuite, mais elle a tout coûté. Jésus a donné sa vie à la croix. Le Fils de Dieu, pur et précieux, Dieu l'a donné pour toi. La grâce, elle est gratuite, mais la grâce, elle est coûteuse. Elle a tout coûté et elle demande tout. Et voici ce que Bonhoeffer veut dire. Lorsqu'il parle de la grâce cheap des chrétiens, c'est qu'on a séparé, on a divorcé deux choses. On a divorcé la foi de l'obéissance. On a divorcé Jésus, le Sauveur de Jésus, le Seigneur. Moi, je ne suis pas capable d'entendre quelqu'un qui dit « Jésus est mon Sauveur, mais n'est pas encore mon Seigneur. » Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, je doute qu'il soit ton Sauveur. Ne dis pas « Amen, dis aïe aïe. » Parce que tu ne peux pas se séparer, tu ne peux pas divorcer, ça va ensemble. Bonhoeffer parle de la grâce cheap où on prêche la justification sans prêcher la sanctification. Jésus est non seulement venu donner grâce pour pardonner tes péchés, il te donne grâce pour te transformer, transformer le pécheur. Et moins de ça, c'est comme, encore une fois, il y a le fondement, il y a le bracelet, mais nous devons, ça demande tout. Et c'est pourquoi, quand des gens viennent à Jésus, Jésus dit « tout est gratuit », mais la décision que tu vas prendre va être très coûteuse. À un moment donné, et c'est notre texte ce matin, les apôtres viennent voir Jésus. Jésus dit, « Qui dites-vous que je suis? » Et là, ils vont faire une belle déclaration de foi. Ils vont dire, « Tu es le Christ. » C'est-à-dire, on a mis notre foi en toi. On a pris la décision de croire en toi. Et suite à ça, qu'est-ce que Jésus va répondre? Parce que Jésus dit, « Est-ce que vous m'avez accepté dans votre cœur? » Ça aussi, c'est quelque chose. Puis à la base, il y a de bonnes intentions, mais à un moment donné, il y a des méthodes qui nous ont fait perdre de vue l'essentiel. Est-ce que Jésus dit, est-ce que je suis vraiment dans ton cœur? Jésus, non. Est-ce que Jésus va dire, répète après moi?
Jésus va dire, OK, levez la main ceux qui veulent croire en... Non, ces choses-là, encore une fois, je crois qu'elles sont légitimes, elles sont bonnes, mais à un moment donné, on perd de vue l'essentiel. L'appel de Jésus est beaucoup plus radical. Et voici ce que Jésus va dire à ceux qui croient en lui. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus ici? Dis « Amen ». Là, je sais que tu as dit « Amen », mais tu sentais qu'il y avait un piège là-dedans. En fait, c'est simplement la parole de Jésus. Donc, après la confession de foi, voici ce que Jésus va dire. Luc 9, verset 23. Il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et à quoi sert-il, à quoi ça sert à un homme, à une femme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire du Père et des saints anges. Et je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. » Jésus enseigne que la première réponse du disciple n'est pas une confession de foi, mais un acte d'obéissance. Je le répète, Jésus, la première chose qu'il demande, ce n'est pas nécessairement une confession de foi, c'est un acte de foi, ça va ensemble. Et c'est pour ça, lisez la Bible comme il faut, vous allez voir que rarement Jésus demande aux gens de croire en lui, mais tout le temps il demande de le suivre. Pourquoi? Bonhoeffer revient là-dessus, sur la fameuse grâce cheap en disant « On ne peut pas séparer la foi de l'obéissance, on ne peut pas séparer ton expérience du dimanche matin avec ton expérience du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. » C'est toujours la même chose. Et la foi amène l'obéissance, et la foi, l'obéissance amène la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis ici et que quelqu'un arrive et crie « Au feu! Au feu! » Et là, vous vous levez en panique, puis moi, je reste là. Là, vous dites « Pasteur Gaétan, tu crois pas qu'il y a un feu? » Oui, oui. Je crois qu'il y a un feu. Hallelujah. Non, mais est-ce que tu crois qu'il y a un feu? Oui, je suis convaincu, je suis vraiment convaincu, je sens la fumée. Je vois autour, il y a un feu. En fait, est-ce que je crois? Non. Celui qui croit obéit. La manière de démontrer que je crois vraiment, c'est que je suis celui qui m'appelle et je sors. La meilleure manière et la seule manière de démontrer que tu es vraiment un chrétien, que tu as véritablement la foi qui sauve, ça se voit dans tes actions. Ça te voit quand tu suis Jésus. Ça se voit non pas à la force de tes prières ou au volume de dans ta louange, ça se voit où tu es « Amen ». Ça se voit dans tes actions, dans ta vie quotidienne. Dis « Amen » si tu as le même évangile que moi. Maintenant, voici ce que Jésus. Jésus nous appelle à prendre la décision la plus importante de notre vie. Que tu sois ici pour la première fois ou pour la millième fois, regardez, Jésus t'appelle à prendre la décision la plus importante de ta vie. Il disait, c'est pas moi qui le dis, c'est pas un pasteur, c'est pas un prêtre, c'est pas un enseignant, c'est Jésus. Si ce matin, tu n'es pas content avec le message, envoie un courriel à Jésus. Laisse un message sur la boîte téléphonique de Jésus. Il disait à quelques élites, non, il disait à tout le monde. Tout le monde ici peut devenir un disciple de Jésus. Tu es peut-être ici pour la première fois, tu as été invité, tu ne comprends pas trop ce qui se passe, tout est nouveau. Ce matin, tu peux devenir un disciple de Jésus. Il y a des gens, tu es ici, et peut-être que ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es chrétien, mais tu te rends compte que tu vis la grâce cheap, que tu ne vis pas la bonne nouvelle de Jésus. Tu as séparé la décision, la foi, de la transformation, de la sanctification, de la vie avec Jésus. Ce matin, il t'appelle à suivre. Il y a des gens, tu l'as peut-être suivi pendant des années, et les circonstances de la vie ont fait en sorte que tu as cessé de le suivre. Ce matin, Jésus t'appelle à se suivre. Ce matin, ce n'est pas un message d'évangélisation. Ce matin, c'est un message pour tous les hommes et toutes les femmes présentes en ce lieu. Ce matin, c'est un message que Pasteur Gaétan prêche à Pasteur Gaétan premièrement. Mais nous sommes appelés à prendre la décision la plus importante. Et regardez, Jésus va dire, si quelqu'un, wow, Jésus n'est pas venu partir une secte. Tu n'es pas obligé de croire en Jésus. Tu n'es pas obligé de suivre Jésus. C'est une décision libre, volontaire, une décision personnelle, sans manipulation. Jésus n'a pas dit, pendant que maintenant le pianiste va venir jouer quelque chose de mélancolique, je vais faire un appel. C'est une décision. En passant, là, on s'entend-tu que Jésus, lorsqu'il présente l'Évangile, c'est le pire pitch de vente de l'histoire de l'humanité.
Il dit, venez à moi. Puis là, il dit, commence à mettre plein de choses. En fait, c'est comme si Jésus veut exclure des gens, mais Jésus est très, très vrai. Jésus ne ment pas. Jésus ne manipule pas. Il te dit, si tu me suis, c'est la meilleure décision que tu vas prendre au monde, mais c'est la décision la plus coûteuse que tu vas prendre. Parce que la grâce, elle coûte et elle demande tout. Il dit, si. En passant, juste vous dire, moi, ce matin, je n'ai pas une prime de performance pour les gens qui décident de mettre leur foi en Jésus. Tout le monde est libre. Mais il dit, si quelqu'un. Et ce matin, on va regarder sur ce texte qui est tout simple. En fait, il y a sept décisions, sept réalisations que tu dois prendre si tu veux suivre Jésus ce matin. Si tu veux que ta vie soit transformée. Et l'Église, la manière que moi je vois l'Église, c'est un moment où on est réunis, on entend la bonne nouvelle de Jésus, le Saint-Esprit touche nos cœurs, et c'est là où on prend une décision, une résolution pour nous aider à suivre Jésus le restant de la semaine. Parce que est-ce qu'on s'entend que c'est facile de suivre Jésus à l'Église? Alléluia! C'est facile. Le défi, c'est quand tu retournes à ta vie. Vous savez, j'ai une histoire que j'ai souvent racontée, c'est une histoire qui m'a marqué. Quand j'étais au Chute Niagara avec la famille dernièrement, il y a quelques mois, je voyais, quand vous regardez, vous voyez les rapides, puis ça tombe. Moi, l'eau, ce n'est pas mon élément, puis je m'imaginais tomber là-dedans. Puis juste m'imaginer, là, mon cœur s'accélérait, puis je me dis, moi, là, je tombe, là, je meurs avant de tomber dans les chutes. Je vous dis, j'essaie de me noyer avant de tomber. C'est comme, c'est trop intense. Puis, il y a une histoire, j'avais entendu un père qui va avec ses deux jeunes enfants qui se promenaient, il y a du courant, mais avec son bateau à moteur. Puis, à un moment donné, son moteur a lâché. Et le bateau a été amené dans les rapides. Puis, le bateau a chaviré, puis le bateau est tombé dans les chutes. Maintenant, vous savez, la vie est difficile. Notre culture, et nous sommes un chrétien, c'est à contre-courant de la culture, c'est pas facile, tout nous emmène vers notre chute, tout nous éloigne de Dieu, et si tu veux être sûr de suivre Jésus, tu as besoin d'un moteur, et ton moteur, c'est la décision que tu prends à l'église ce matin. Tu as besoin de t'arrêter pour dire, pour vraiment évaluer, dire, est-ce que je veux vraiment être un disciple de Jésus? Et ce matin, on va bâtir ton moteur. Le moteur de la foi, sept choses que tu dois décider. La première chose, Jésus va dire, si quelqu'un veut venir, quoi, il veut venir vivre une expérience? Si quelqu'un veut venir dans une institution, si quelqu'un veut venir suivre une doctrine? Non, Jésus dit, si quelqu'un veut venir à ma suite. Moi, pourquoi j'aime le christianisme? Parce que le christianisme est centré sur une personne, Jésus-Christ. C'est pourquoi on parle beaucoup d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Pourquoi? Parce que le centre de notre foi, le centre du portail, ça a rapport avec une personne. On peut croire des choses, on peut avoir une idéologie, une méthodologie, mais le centre de nos vies, c'est une personne, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, la vraie question, c'est, décide premièrement si Jésus en vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine de suivre Jésus? Est-ce que ça vaut la peine? Reprenons l'exemple. Je suis ici, et quelqu'un arrive, il y a un enfant de 5 ans qui arrive en courant, qui dit, Il y a un feu, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, retourne dans ton local. C'est pas crédible. Je pense pas qu'il va y avoir des centaines de personnes qui vont se lever pour suivre un enfant de 5 ans. Supposons qu'un clown arrive. Il y a un feu, suivez-moi. On va dire, le clown va t'asseoir. C'est pas crédible. Imaginons que quelqu'un, même à la limite, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui arrive tout croche. Hey, suivez-moi, il y a un feu. Est-ce qu'on va le suivre? Non, tu n'as pas d'autorité, tu n'es pas crédible. Si quelqu'un arrive, un pompier arrive, arrête mon message, il dit, il y a un feu, suivez-moi, faites ce que vous voulez, mais moi je le suis. Pourquoi? Parce qu'il en vaut la peine. Il a l'autorité, il a la crédibilité. Maintenant, Jésus mérite, vaut la peine d'être suivi. Il a l'autorité, il a la crédibilité. Et à ceux qui ne sont pas convaincus, est-ce que Jésus en vaut vraiment la peine? Jésus est le Fils de Dieu qui a marché sur cette terre. Personne n'a prétendu être le Fils de Dieu. Pas Mahomet, pas Bouddha, personne. Il a eu une vie d'obéissance parfaite. Jésus est non seulement, il n'est pas un chemin, une vérité, une vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est mort pour toi. Ça prenait Jésus pour pardonner tous les péchés de tous les hommes, de toute l'histoire de l'humanité. Sa mort, lui qui est pur, parfait, fils de Dieu, sa mort règle le péché de l'humanité au complet. Et en plus, si tu doutes encore, Dieu l'a ressuscité, Dieu le Père l'a ressuscité pour démontrer qu'il était vraiment celui qui l'a dit qu'il était.
Et non seulement il est à la droite de Dieu le Père, la Bible dit qu'il a le nom au-dessus de tout nom. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Jésus est la seule solution. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Oui, ça vaut la peine. Des gens disent, oui, mais vous autres, avec Jésus, là, vous êtes un peu fans. Nous autres, on a un principe au portail. Quand un gars ressuscite, on l'écoute. On a fait un comité, on s'est dit, OK, si un gars ressuscite, on pense que ça peut être une bonne chose de l'écouter. Donc, Jésus est ressuscité, on l'écoute. Est-ce qu'il en vaut la peine? Oh, qu'il en vaut la peine, mon ami. Il en vaut la peine. Moi, là, il n'y a pas grand monde que je suivrais, mais Jésus, la meilleure décision que j'ai prise. Deuxièmement, Jésus va dire, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même. Ah. Moi, j'aurais aimé ça qu'il me mette une petite bénédiction, une petite promesse. Non. Là, puis là, des gens vont dire, OK, est-ce que Jésus prend de l'ascétisme, la mortification, de la chair, tu sais, comme, tu sais, est-ce qu'on... Ben oui, tu sais, dans le kit de nouveau venu, on va vous mettre un fouet, fait que vous allez vous fouetter. Est-ce que c'est ça? Tu sais, on va se mortifier. Est-ce que Jésus parle d'autodestruction? Non. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Est-ce que tu sais c'est quoi le plus grand obstacle entre le plan parfait de Jésus pour ta vie et ton épanouissement personnel? Toi! Le problème avec toi, c'est toi. C'est pour ça qu'il faut que tu t'enlèves du chemin. Je m'excuse, c'est une nuisance pour toi-même. Il faut que tu t'enlèves, il faut que tu renonces à toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, Jésus pourrait dire, décide si tu es prêt à cesser d'être le centre de ta vie pour être centré sur Jésus. L'être humain, par nature, est centré sur lui-même. Moi, là, quand je vois la plus grosse part de tarte aux pommes, je vais manigancer pour l'avoir. L'être humain est centré sur lui-même, on pense à nous, on veut nous se protéger, il y a l'instinct de survie, il y a quelque chose. Mais c'est quelque chose de très toxique. Et c'est pourquoi le christocentrisme est si difficile. Pourquoi? Parce que c'est une attaque constante à ton égocentrisme. Pour donner une image, il y a des gens ici, tu vis quelque chose avec Jésus, mais tu ne vis pas ce que Jésus veut. C'est comme si tu conduis le véhicule de ta voiture et Jésus est ton passager. Hey, c'est le fun, Jésus est là. Tu lui demandes des conseils une fois de temps en temps. Jésus, quelle décision devrais-je prendre? Est-ce que je tourne à droite, à gauche? Sois mon conseiller. Puis là, Jésus dit à droite, puis tu dis, moi, j'aime mieux à gauche. C'est comme Jésus est là, puis finalement, si Jésus dit comme toi, oh, que ta volonté soit faite. En fait, tu veux juste être rassuré, confirmé dans ce que toi, tu veux faire pour toi-même sans lui. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que Jésus dit, tu dois te renier, tu dois renoncer à toi-même. Et il y en a d'autres, tu vas plus loin, tu dis, OK, tu réalises que c'est absurde. Tu dis, Jésus, je te permets de mettre les mains sur le volant. Mais là, vous êtes deux. Et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Jésus veut rarement ce que toi, tu veux. Le plan de Jésus est rarement ton plan. En tout cas, si ça marche pour toi comme pour moi, il n'est pas toujours d'accord avec moi, hein? Puis des fois, il va te demander des choses qui ne font pas ton affaire. Et avez-vous déjà essayé de conduire avec quatre mains sur le volant? Ça ne marche pas. Puis il y a du monde qui dit, non, comment ça se fait? Ça ne marche pas dans ma vie. Et voilà. Tu viens d'avoir la parole de Dieu. C'est que tu n'as pas lâché prise encore. La seule manière d'être un disciple de Jésus, de vivre la vie chrétienne, c'est de lâcher prise. Jésus prend le volant. Que ta volonté soit faite. Et savez-vous quoi? Quand j'ai donné le volant de ma vie à Jésus, je me suis rendu compte qu'il est un meilleur conducteur que moi-même. Jésus n'a pas d'angle mort. Puis des fois, Jésus t'amène dans des endroits où c'est un peu effrayant parce que tu lui donnes le volant. Puis là, à un moment donné, tu as l'impression qu'il t'amène dans le champ, tu es perdu. Puis tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai oublié. Puis là, ça empire. J'ai l'impression que c'est un cul-de-sac. Et Jésus dit, connais-moi, fais-moi confiance. Je suis celui qui fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ça prend de la foi. Décide, est-ce que tu es prêt à cesser d'être le centre de ta vie? Troisièmement, on continue. Jésus va dire la troisième décision, qu'il se charge chaque jour de son coussin. J'aime Jésus.
Hein, moi, j'aimerais ça, Jésus dit, charge-toi de ton coussin, je vais rendre ta vie plus confortable. Hein? Une vie sans Jésus, oh, c'est pas facile. Une vie avec Jésus, ah, c'est plus facile. Est-ce que c'est ça que Jésus dit? Je vais rendre ta vie plus confortable? Non. Jésus n'a pas dit, je suis venu pour mourir pour ton confort, non. Jésus dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Tu sais, aujourd'hui, la croix, c'est quelque chose, c'est un bijou, c'est comme, OK, tu sais, on se fait tatouer des croix, on a des croix dans le cou, on a, tu sais, c'est correct. Mais à l'époque, la croix, là, c'était quelque chose, c'est un objet de mort. Jésus est en train de dire, littéralement, si tu veux être mon disciple, prépare-toi à souffrir. Puis il ne demande pas aux gens de dire amen. Pourquoi? Parce que tout précédemment, Jésus va dire, alors que les apôtres vont dire « Tu es le Christ », il va dire la chose suivante. OK, les gars, je vais vous dire deux choses. Je vais souffrir et je vais être rejeté. Puis là, ensuite, il leur dit « Portez votre croix ». Donc, voici le point. Si tu veux être un disciple de Jésus, tu veux la vie de Jésus, tu veux expérimenter cette deuxième chance, tu veux ne pas avoir à te battre pour gagner ton salut, c'est de savoir accepter de manière inconditionnelle, d'être justifié, de savoir que tu as une vie nouvelle, que ta vie a un sens, qui se sert de toi, que tu as l'assurance de la vie éternelle, que vraiment, que le plan de Dieu pour ta vie s'active, tu veux ça, Jésus va dire, décide si tu es prêt à souffrir et à être rejeté. On n'entend pas souvent, mais es-tu prêt à souffrir et à être rejeté à cause de Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais pasteur Guétin, moi je souffre. J'ai la grippe, là. Je souffre, je suis un chrétien, puis j'ai la grippe. Mon ami, je veux dire avec amour que même les non-chrétiens ont la grippe, là. Oh, mon patron. » Jésus est en train de dire, il ne parle pas de la souffrance en général, il parle de souffrir, d'être rejeté parce que tu es chrétien. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, peut-être, payer plus cher parce que tu ne veux pas faire quelque chose de croche, perdre de l'argent. Ça veut dire peut-être souffrir en perdant une super belle job parce que ton patron te demande de travailler à tous les dimanches. Ou te demande de travailler tellement plus que tu vas négliger ta famille. Donc, tu payes le prix. Ça pourrait être de vivre des moqueries. Et moi, j'arrive là, dernièrement, je suis au gym, puis là, à un moment donné, il y a un gars qui dit « Oh, ça sent quelque chose! » Ça sent quelque chose. Puis là, il dit, ça sent quoi? Oui, ça sent quelque chose, ça sent quelque chose. Il dit, oh, ça sent l'Esprit de Dieu. Il me taquine, c'est pas méchant. Mais il y a des gens, par exemple, dans un milieu où c'est hostile. Moi, quelqu'un me racontait, un fonctionnaire, pendant sa pause, lisait sa Bible, et là, il y a de l'hostilité des employeurs. Ça veut dire, donc, est-ce que c'est ça être chrétien? C'est tu t'affiches pour Jésus, puis tu as un prix à payer. Est-ce que tu es prêt? Si tu veux plaire à tout le monde, ne deviens pas chrétien, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Parce que, il y a une souffrance, c'est pas toujours évident. Ta réputation, moi, j'ai perdu des amis. J'ai, à ce jour, des membres de ma famille qui ne comprennent pas encore, qui pensent que je suis parti sur une dérape religieuse, ça fait 25 ans. Puis j'en suis pas revenu. La réalité, puis ta réputation, il y a des gens, quand les gens vont savoir que tu es chrétien, ils vont pas penser la même chose. Moi, j'ai renoué avec des anciens amis, puis quand on apprend que tu es pasteur, tout à coup, tu as l'impression que ta réputation n'est pas en train de monter. Mais c'est correct, je peux vivre avec ça. J'ai signé pour ça quand j'ai décidé de suivre Jésus. Ça peut être de dire, alors que ce serait tellement facile de divorcer, je vais m'accrocher dans mon mariage parce que Jésus est plus grand que nos difficultés présentes. Et tu peux l'appliquer, mais être chrétien, OK, veux-tu que je te dise une des souffrances que j'ai, moi, en tant que pasteur? Là, je vais être mal compris, mais en tout cas, le Seigneur abrite tout ça, là, que ça soit bien compris. Tu sais, quand tu es pasteur, il faut que tu sois gentil avec tout le monde. Tu sais, moi, je ne peux pas arriver une mauvaise journée au bureau, là. Puis, vous savez, tu sais, quand tu es pasteur, tu es comme tout le monde, puis tout arrive à toi, puis à un moment donné, les gens te tiennent responsable de bien des choses. Des fois, les gens ne sont pas gentils. Je sais que vous êtes surpris, mais des fois, les gens vont dire des affaires, puis sont méchants. Puis là, tu les croises à un moment donné au salon funéraire. Ah, oh, bonjour, pasteur. Puis tu sais, dans mon cœur, j'aurais juste le goût de donner une petite claque derrière la tête. 2, 3, 4. Mais savez-vous quoi? Je ravale. Je fais grâce. Pourquoi? Parce que c'est ça, être un disciple de Jésus. Je ne suis pas là pour gagner des arguments. Puis des fois, juste ravale.
Des fois, la chose la plus spirituelle que le disciple de Jésus va faire, c'est, tu sais quoi? Je vais te le dire en hébreu, « Ferme ta boîte! » Puis on s'attend aussi de l'autre côté, mais c'est ça, c'est la grâce, c'est pardonner. Puis être chrétien, c'est ça, puis c'est passer au travers. Puis, mais des fois, tu es comme, « Oh, hey, j'aimerais ça me faire justice moi-même, mais tu peux pas. » Mais il y a plein de petites et de grandes souffrances. Puis souvent, les chrétiens, on est comme choqués parce qu'on sert Jésus, puis là, tout à coup, on se dit, « Ouais, mais là, il y a du monde qui me rejette. » Puis je... Hey, c'est ça, la vie chrétienne, arrête de pleurnicher. C'est ça, la vie chrétienne. Jésus est mort pour nous, puis nous, on a une petite persécution, puis on se dit, « Oh, c'est la tribulation finale. » Vous savez, je lisais cette semaine dans mes temps de dévotion, je disais, « Ma vie, je suis dans les actes des apôtres. » Puis à un moment donné, les apôtres, on va les battre parce qu'ils parlent de Jésus. Puis, il va se passer quelque chose qui me renverse. Les gars, Pierre et Jean vont sortir, puis la Bible dit, ils s'en allèrent tout joyeux d'avoir été battus au nom de Jésus. Quoi? Puis là, il y a des gens super spirituels qui sont là, hallelujah, oh oui, moi j'aimerais ça souffrir pour Jésus. Hey, vas-y mon ami, sois mon représentant, je te laisse aller. Mais voici la clé. Le verset va dire, ils étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. En fait, voici pourquoi ils sont joyeux. Parce qu'ils sont identifiés à Jésus. Je te donne un exemple. Quelques mois, on était à Toronto. Mon fils et moi, on avait notre casquette du Canadien de Montréal. En territoire hostile. Puis là, tu arrives là, faites-le, là, aller à Boston ou à Toronto avec une casquette du Canadien, des heures de plaisir. Puis là, le monde, là, tous les commentaires qu'on t'envoie, puis là, tu sais, la vie. Mais la réalité, c'est quoi? Mais on est fiers de s'identifier avec Montréal comme en territoire hostile. C'est pas grave, dis ce que tu veux, on est fiers. Puis quand, à un moment donné, tu as des persécutions au nom de Jésus, mais c'est ça, je dis, tantôt, on pleurniche pas. On est fiers parce que ça veut dire que les gens voient, on s'identifie à Jésus, puis on est prêt à payer le prix. C'est ça, être un chrétien. On porte notre croix. Et là, il y a des gens qui disent, est-ce qu'on applaudit à ça? Peut-être pas, finalement. Jésus va dire qu'il me suive. Décide si tu veux vraiment suivre Jésus. OK? On dit beaucoup suivre Jésus, c'est quoi? Souvent, on a rendu ça tellement mystique qu'on a perdu de vue, c'est quoi? Suivre Jésus implique une relation. On est d'accord? Et une relation implique une transformation. Pourquoi Jésus a dit, non pas croyez en moi, mais il va surtout dire, suivez-moi. Pourquoi? Parce que quand tu suis Jésus, tu as une relation. Et plus que tu t'approches de lui, plus que tu prends son caractère. OK, il y a du monde, là, par exemple. OK, on voit ça tellement mystique, tu vas me suivre Jésus. Tu sais, quand tu suis quelqu'un en voiture, tu as quelqu'un que tu connais, vous allez à un endroit, tu ne sais pas où aller, puis là, la personne te dit, suis-moi. Vous avez déjà vécu cette expérience, oui? Moi, là, je trouve qu'il y a du monde, vous êtes des mauvais suiveurs. OK, moi, ça m'arrive, là, je conduis, là. Et là, à un moment donné, tu as la personne en arrière de moi, là, elle laisse 3-4 voitures entre nous deux. Puis là, c'est comme, ah ouais, pèse sur le champignon. Puis là, t'es là, mais la personne ne comprend pas que c'est moi le leader. Je suis pas supposé t'attendre, t'es supposé me rattraper. Tu es censé me suivre. Puis il y a des gens, vous êtes des mauvais suiveurs en auto. Vous n'êtes pas focus. Puis quand on suit Jésus, souvent il y a des mauvais suiveurs. Pourquoi tu laisses trop de distance entre Jésus et toi? Tu dois te rapprocher de lui. Puis quand tu suis quelqu'un, moi, quand je suis quelqu'un, là, je commence pas à m'amuser avec tout le monde et à regarder le paysage, je suis comme focus. J'ai un seul objectif, ne pas perdre la personne en avant de moi. Et Jésus est en train de dire que le seul focus du croyant, tu devrais mettre tous tes efforts à ne pas perdre Jésus. Dans le sens de ne pas le perdre de vue, à te rapprocher de lui, à rester proche de lui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rester proche de Jésus? Il dit qu'ils me suivent. Et regardez, Jésus continue. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? La cinquième décision pour suivre Jésus, c'est décide à quoi ta vie va servir à partir de maintenant. Moi, là, en vieillissant de plus en plus, j'ai peur de gaspiller ma vie. Est-ce que les gens, vous êtes comme moi? Tu sais, tu peux te ramasser, tu peux avoir un beau REER, tu peux avoir une belle job, une belle carrière, une belle maison. Puis tu te ramasses au bout de la ligne là, que tu as gaspillé ta vie.
tu sais, gaspiller. Moi, mon beau-frère, c'est un amateur de vin. Okay, même plus qu'un amateur, c'est un spécialiste. Il s'est construit une cave à vin. Il y a des bouteilles. Je ne sais pas il y a combien de bouteilles, mais il y a des bouteilles qu'il y a depuis longtemps. Puis lui, régulièrement, il y tourne, il en prend soin. Puis c'est toute une affaire. Puis à un moment donné, il décide, il y a un gros party de famille, puis il décide d'ouvrir une bonne bouteille qui est là depuis je ne sais pas combien d'années. Puis là, il sert des coupes à tout le monde, puis lui, il a sa coupe. Puis là, ça fait longtemps qu'il m'en parle de ce vin-là. Là. Tu sais, il y a un petit nom, il y a la date, il y a une expérience. Quand il était en France, puis la grosse affaire. Laisse sa coupe-là, on est dehors, c'est le barbecue. Puis il y a son dernier d'un an qui passe, puis ouf, fait tomber la coupe de vin. C'est fini. Tous ces efforts pour gaspiller l'essentiel. Et il y a beaucoup de chrétiens, tu mets beaucoup d'efforts dans des choses qui ne sont pas essentielles et tu gaspilles ta vie. Jésus va dire, lorsqu'il parle, à quoi ça sert de celui qui veut gagner sa vie va la perdre, c'est-à-dire tu penses, tu as un standard, mais ce n'est pas le même standard de Jésus. Le mot pour vie, en grec, c'est psyché, qui a donné psychologie, personnalité, ton identité. Jésus est en train de dire, et c'est C.S. Lewis qui va le dire littéralement, « Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement perdu. » Il y a trois choses d'éternel. Ton âme. Prends-en soin. Prends soin de ton âme. Ton REER, ton compte de banque, ta maison, ton char ne vont pas te suivre au ciel, tu le sais. Ta garde-robe, tu peux dire à la limite, « Moi, là, je ne suis pas futile dans le matérialisme. Moi, là, mon but, c'est d'être en shape. » Tu peux perdre 20 livres. Tu peux avoir des bras gros de même. Mais dans ton cercueil, tu vas juste être un paquet d'os. Tu as besoin d'investir dans ton âme. Tu as besoin d'investir dans les gens autour de toi. Moi, je ne pourrais pas amener ma maison. Mais par la grâce de Dieu, je prie, je veux amener mes enfants, je veux amener ma femme, je veux amener les gens autour de moi. Je ne veux pas me retrouver seul dans l'éternité. Puis Dieu, tu as besoin d'investir dans ta communion, dans ta relation avec Dieu. Puis la seule manière de le faire, c'est par Jésus-Christ. À quoi ta vie va servir? Il te reste combien de temps? Il y a des jeunes, là, tu as 20 ans. Puis ta vie, là, tu vas avoir une carrière, tu vas te développer. Puis c'est correct, des choses très légitimes, là. Tu peux prospérer, tu peux avoir une réputation, une renommée, barder de diplômes. Mais au bout de la ligne, là, sur ton lit de mort, il va te rester quoi? Tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, à partir de maintenant. Des gens qui disent, moi là, le passé, on ne le contrôle pas, mais à partir de maintenant, tu as 60 ans, à quoi va le restant de ta vie? 70 ans? Ce qu'il te reste va servir à quoi? Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Si tu veux suivre Jésus, c'est la seule chose qui va donner un sens à ta vie et qui va avoir un impact pour l'éternité. Et regardez, il continue en disant, « Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. » Regardez la subtilité. Jésus lance l'appel à tous, mais quelques-uns. OK, je ne veux pas te faire de peine, là, mais le christianisme ne gagnera jamais un concours de popularité. Il y a des gens qui sont un peu naïfs qui pensent que si Jésus revenait, Jésus va revenir dans sa gloire, mais s'il revenait dans les mêmes conditions que 2000 ans, les gens pensent que toute l'humanité acclamerait Jésus et on le nommerait président de l'ONU. Non. Si Jésus revenait, on le crucifierait 1000 fois encore. Puis aujourd'hui, on est tellement évolué qu'on probablement qu'on le kidnapperait, qu'on le ferait exploser, on le ferait disparaître. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est fatigant. Jésus est fatigant. On dit, oh, j'ai jamais chanté ça dans un... Moi, là, je vous le dis, là, Jésus, je l'aime. Je l'aime. Écoute, il a démontré sa fidélité dans ma vie. Moi, je suis un mordu de Jésus. Et voulez-vous que je vous dise? C'est un fatigant. Qu'est-ce que je veux dire? Les gens qui sont offusqués. Non. Son esprit en toi ne va pas te lâcher. Il va te travailler au corps. Puis tu penses que tu as une tête dure. Il est déterminé à te transformer, à te changer. Puis il ne va pas te lâcher. Pense que c'est difficile de sortir de la mafia? Essaye de sortir de Jésus. Il va te trouver. Mais c'est quoi le point? C'est que fais la paix avec le fait que tu n'auras jamais l'approbation de tout le monde.
Il y a juste quelques-uns qui goûtent. Et voici le point. Décide d'accepter d'être à contre-courant. Souvent, et ça a été un des pièges de l'Église en général, c'est de, on veut tellement gagner notre monde, là, qu'on veut tellement que le monde nous aime, puis à un moment donné, là, la réalité, là, on veut gagner notre culture, mais accepte que tes valeurs, ton style de vie, ta manière de penser, c'est pas la manière de la majorité. Pas parce que tu es meilleur, parce que justement, Jésus va régénérer ta pensée, tout entre nous est perdu, mais par le Saint-Esprit, on est de nouveau, puis il y a comme deux, c'est deux mondes différents. Puis je l'ai souvent dit, puis je veux juste être clair. Le christianisme est meilleur pas à cause des chrétiens, à cause de Jésus. Quelqu'un m'a dit, je mangeais avec un frère dernièrement, puis il me disait, « Pasteur Gaétan, puis je trouve ça tellement bon, sais-tu quels sont les seuls poissons qui nagent tout le temps dans le courant, dans le sens du courant? Les poissons morts. » Pourquoi est-ce qu'on vit à contre-courant? Parce que nous sommes vivants en Jésus. Mais fais la paix avec ça. Arrête de vouloir être aimé par tout le monde. Moi, j'aimerais ça que tout le monde m'aime, mais ce n'est pas faisable. Je ne parle pas en tant que pasteur, juste en tant que croyant. Tu ne peux pas plaire à Jésus puis plaire à une humanité qu'il rejette. Il faut que tu fasses la paix avec ça. Ça veut dire qu'on aime les gens. On est là, puis on dit, Seigneur, on marche dans l'humilité, puis on veut marcher par l'esprit, puis on veut les gagner, puis on veut communiquer la foi. Mais encore une fois, on comprend que le christianisme, ce n'est pas un concours de popularité. Et c'est ce que Jésus dit, quelques-uns. Et je termine avec ceci. Plusieurs personnes, alors que tu entends la bonne nouvelle de Jésus, des choses, je crois qu'il y a des luttes en dedans, puis je vais être très clair. Il y a des gens, tu n'es juste pas prêt pour Jésus. Oh, première fois que tu l'entends. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que je veux dire que tu n'es pas digne, t'es pas assez, personne n'est digne, personne n'est bon, moi le premier, non. Mais il y a des gens, là, tu veux le meilleur de Jésus, mais tu n'es pas prêt à suivre Jésus. Tu es encore trop centré sur toi. Et c'est, il y a quelque chose. C'est pour ça que je ne dis pas pour tout le monde. Moi, je crois, j'aimerais que tout le monde, et Jésus aimerait que tout le monde l'adore, le suive. Mais on a trois exemples dans le même chapitre où il y a des hommes qui vont venir, puis Jésus va dire, tu n'es pas prêt à être un disciple. Verset 57. Pendant qu'il est en chemin, quelqu'un lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. En quelque sorte, il veut comme, Jésus va déceler dans son cœur qu'il veut des, comme des garanties. Le deuxième, il dit à un autre, suis-moi. Celui-ci répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Il lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va t'annoncer le règne de Dieu. Oh, ça semble dur. Et le troisième, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Tu ne peux pas tracer un sillon en regardant en arrière, tu dois regarder en avant. » C'est comme en voiture, tu ne peux pas continuer d'avancer en regardant dans le rétroviseur, tu dois aller de l'avant. Et ces trois hommes représentent trois conditions aujourd'hui représentées dans ce lieu. Première chose, c'est que souvent on veut venir à Jésus, mais on veut des garanties. On dit, « Ok, Seigneur, c'est un peu comme une machine à bonbons, là, je te donne ma vie, là, mais tu vas me donner quelque chose. » OK, je vais suivre Jésus, mais j'ai une crise présentement, là, puis c'est comme une police d'assurance. Je te donne ma vie, mais tu vas régler la situation. Tu vas guérir, tu vas rétablir, tu vas faire ça, tu vas pas. Puis on fait comme une négociation implicite avec Jésus. Puis Jésus dit, non, suis-moi sans garantie. Zéro garantie. La seule garantie que je te donne, c'est que je serai tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde. Le deuxième, tu permets-moi d'aller ensevelir mon père. C'est très légitime. Puis même, c'était la demande la plus urgente dans la loi. C'était la chose que tu devais faire en premier, avant même d'aller au temple. Puis tu dis, tous les sacrifices, les fêtes, c'était la chose numéro un. Puis en fait, ici, Jésus s'en sert comme une image pour dire, « Sers-moi non seulement sans garantie, mais sans délai. » Parenthèse, m'adresse à des jeunes qui sont ici. Des jeunes qui ont peut-être 20 ans, même 30 ans, qui ont été élevés dans l'Église. Tu as entendu la bonne nouvelle de Jésus, tu en as reçu juste assez pour savoir que c'est la bonne affaire, que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais tu n'en as pas reçu assez pour être impacté. Puis là, tu te dis, moi, là, je vais vivre ma vie, puis à un moment donné, je vais me caser, là, je vais me marier, puis je vais avoir une job, puis là, je vais aller à l'église, ça va être le temps de suivre Jésus. Juste là, tu démontres que tu n'as rien compris. Un, tu ne sais pas si tu vas être là dans 10 ans. Puis deuxièmement, tu n'as juste pas compris
ce pourquoi Jésus est venu. Tu passes à côté. Pourquoi? Poser la question à des disciples de Jésus, à des hommes et des femmes qui le servent pendant des années. Une des choses qu'on va me dire souvent quand je leur pose la question, c'est quoi ton plus grand regret? Quelqu'un qui savait qu'il y a 70 ans sans le Seigneur depuis des années, c'est quoi ton plus grand regret? S'il y avait une chose que j'aimerais refaire, c'est j'aurais commencé à suivre Jésus beaucoup plus tôt dans ma vie. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire « Amen, ça c'est ton cas? » Ne sois pas cette personne-là, sans délai. Et je termine. L'autre met des conditions. Permets-moi d'aller voir la famille avant. Suivre Jésus, ce n'est pas comme la guerre des clans. Je vais y aller avec la famille. Ce n'est pas une consultation. C'est une décision personnelle. Décision personnelle. Un jour, tu vas te retrouver seul devant Dieu. Ce matin, là, cet appel, tu es le seul responsable. Tu dois. Ce n'est pas une consultation. Tu es venu avec ta femme. Ce n'est pas comme on y va ensemble, toi, moi. Ou tu es là, tu regardes tes parents. Tu es venu avec des amis comme, hey, on y va en gang. C'est pas comme ça que ça marche. Chaque personne est responsable. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, je me suis retrouvé dans une église, une bonne petite église où il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Puis à un moment donné, je me suis ramassé. Un vendredi, ils ont annoncé une réunion jeunesse. J'étais le seul jeune qui était là. Puis ça m'a ébranlé parce que pour moi, c'était tout nouveau. Je n'avais pas été élevé dans l'église. Puis le soir, en retournant chez nous, j'avais le cœur un peu comme bouleversé. Je me disais, écoute, c'est qu'une église, il n'y a pas de jeunes. Puis, tu sais, Seigneur, c'est quoi ma place? Puis est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que je suis un hurluberlu? Puis ce soir-là, j'ai pris une résolution, j'ai fait une prière à Dieu, que je me rappelle à ce jour. J'ai dit, Seigneur, même si je suis le seul à te servir, même si tout le monde autour de moi t'abandonne, donne-moi la grâce de rester fidèle puis de te suivre jusqu'au bout. No turning back. Jusqu'au bout. Et cet homme-là va aller voir comme un délai. Puis en fait, si tu veux suivre Jésus ce matin, c'est la meilleure des décisions que tu peux prendre. Mais fais-le sans garantie, sans délai, sans condition. Seulement là, tu vas comprendre qui est Jésus et tu vas le voir agir dans ta vie.